je suis contente de vous retrouver pour un petit retour de course de Intermarché, excusez-moi. Parce qu'il me fallait des carottes pour la semaine, parce que cette semaine je vais faire mon bœuf bourguignon. Demain je vais faire des lasagnes vu que ma fille elle est là, demain midi. Et dans la semaine je vais faire mon bœuf bourguignon. J'ai pas mal de recettes en tête. Là j'ai ma fille, c'est pareil, j'ai du poulet, donc je vais faire un petit couscous. J'ai acheté des courgettes donc pour aller avec le couscous. Enfin, je veux que je regarde parce que je sais même pas si j'ai des pois chiches. Je crois que j'en ai encore en réserve, faut que je regarde ça. Et j'avais envie. Donc tout ça va se faire. Bon, peut-être pas tout dans l'immédiat hein, quand même. Parce que déjà, nous, le bœuf bourguignon, il faut faire nous faire 2-3 repas, quoi. Facile. Donc, alors, pour commencer, oui, j'ai pris du pain comme ceci aux céréales. Il est super bon, il est tranché. Donc comme ça, je me prends 4 tranches de pain le matin, je me le fais griller et impeccable. Je me le sors du congèle, je le laisse décongeler, après je le mets dans, ou je le mets dans le truc congelé, dans le grille-pain et impeccable. Donc comme ça, et en plus il a un bon petit goût qui est pas mal. Donc j'ai pris ça. Après j'ai repris du Volvic aux fruits exotiques. Franchement, il est super bon. Par contre, l'autre pêche abricot, j'ai pas du tout aimé, moi j'ai pas kiffé. Par contre, ma fille et mon mari, ils ont aimé. Mon mari me dit, oh, ça ne goûte rien du tout. Oui, c'est minable. Hein. Ça se boit, du moins que ça mais, se boit. Mais moi, j'ai pas du tout aimé. Mais bon, eux, ils ont aimé, c'est le principal. Donc voilà. Mais par contre, celui aux fruits exotiques, oh, franchement, c'est une tuerie. Hein. J'adore. Après, donc, j'ai pris 2 bouteilles de rouge à consommer, bien sûr, avec modération. Pour faire mon bœuf bourguignon, c'était 2 € la bouteille. J'ai bien vu le prix, toujours. Voilà, donc c'est du 13 degrés quand même. Le bœuf bourguignon va être basse à déjeuner. J'en ai pris 2 parce que comme si le mois prochain je rachète du bœuf bourguignon, parce que moi j'adore ça. Donc ça, si je peux en faire tous les jours, ça serait très bon. Mais bon, après, c'est pas bon pour la santé non plus. Non, c'est pas bon pour la santé. Oh, je vois plein de femmes. Oh là là. Donc après, j'ai pris 2 sachets de salade, comme ceci, de la frisée. 1 € et quelques. J'en ai pris 2. C'est bien agréable le soir, manger une petite salade. Là, j'ai pris des courgettes, bien sûr, pour le couscous. Peut-être que je le ferai peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc après, j'ai pris 2 fromages. J'ai pris le cœur de lion, comme ceci. Je voulais goûter celui-là au cœur de lion, et puis il me paraissait bien dur, donc j'ai pris. Et je savais même pas qu'il faisait aussi le brie président, le brie cœur de lion. Mais le brie, moi, j'aime pas. Je trouve que c'est fade, soit c'est trop salé, soit c'est fade. Donc j'aime pas. Après, donc, j'ai pris ça, le président, comme ceci, parce que celui-là était dur aussi. Et en plus, vous avez des recettes. Là, c'est baguette partagée au camembert, façon préfou. Ah, je vais garder la recette. Après, j'ai pris du haché de jambon. On va me dire, ouais, c'est pas très bon pour la santé. Mais ça, c'est de temps en temps. C'est pas tout le temps que j'en achète. C'est de temps en temps. Là, je suis tombée dessus, donc voilà. Et puis, j'avais envie. Donc j'ai pris ça. Après, donc, j'ai pris aussi 2 pots de boucher fromagère ail fines herbes, comme ceci. Voilà, avec la salade, c'est très bien, c'est agréable. Après, j'ai pris aussi des dés de gouda et mimolette de la marque Pâturage. Et franchement, ils sont moins chers que Boursin et ils sont aussi bons. Donc, pas besoin de prendre la marque Boursin. La marque Pâturage est très bonne aussi. Après, donc, j'ai pris aussi du jambon, comme ceci. Après, j'ai pris du parmesan, parce que comme j'ai des lardons au frigo, et pour éviter de les laisser et puis que ça se perde, donc je vais faire des pâtes à la carbone. J'ai envie de ça aussi. Bon, ma fille, malheureusement, ne sera pas là. Ou sinon, il faut que j'attende qu'elle soit en repos pour le faire. Après, j'ai pris un butternut. Voilà.
Enfin, si c'est bien ça, hein, si c'est bien butternut, j'ai pris ça. La courge. Enfin, c'est plutôt une courge. Sur l'étiquette, c'était marqué courge. Donc, c'est pas un butternut, je crois. Mais bon, j'ai pris ça parce que j'ai vu une recette pour faire un gratin dauphinois. Sauf qu'au lieu de le faire avec des pommes de terre, vous le faites avec ça. Et j'ai vu une recette, ça m'a l'air bon. Alors, je lui ai dit, pourquoi pas essayer. Mais pour ça, il faut que je sois calme. Faut pas qu'on vienne m'embêter, que je sois... Parce que alors, en ce moment, je ne dis pas les bêtises que je fais. Après, donc, j'ai pris aussi deux paquets de céréales. Donc, j'ai pris granola, chocolat noir, chocolat au lait, plutôt. Comme ceci, et granola, chocolat noir et noisette pour mon fils. Voilà, et moi, que... non, moi zéro. Moi, zéro. Parce que mon fils, l'autre fois, quand j'ai pris là, les... Ah, c'est toi. Les Oreos. Un déjeuner, c'est pas grave. Oh, toi, tes biscottes. Les Oreos, ils n'aiment pas. Et Cookie Strip, ils n'y courent pas trop. Donc, ils préfèrent le muesli. Donc, du coup, j'y ai pris ça. J'ai pensé ça. Et pour finir, j'ai pris 2 kilos de carottes parce que comme je vais en consommer pas mal. Donc, voilà. Et puis, pour en revenir, c'est que là, c'est vendredi, j'avais fait... Non, oui, c'est vendredi. J'avais fait une recette. C'était... Je savais pas que le massalé, moi, ça piquait. Donc, moi, j'ai mis une bonne cuillère à café au mari le soir. Voilà. Parce que le midi, on n'a pas mangé ça vu que c'était pas prêt. Et je voulais pas être perturbée à courir à droite, à gauche et m'énerver. Parce que sinon, c'est clair. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, c'était déjà cuit et tout. J'avais plus qu'à réchauffer. J'avais juste à faire cuire le riz. Donc, on a mangé ça avec du riz et des pommes de terre, des carottes, justement, coupées en rondelles. Et le mélange de pois chiches avec la sauce et tout, c'était très bon. Hein. Seulement, les pois chiches, ah non, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je ne fais plus avec le pois chiche. Oh là là, ça m'a fait mal au ventre, même mon mari et tout, n'arrêtez pas. Je peux vous dire que c'était horrible. Là, si je dois le refaire, ça sera avec des lentilles. J'ai vu qu'avec des lentilles corail, on peut le faire. Donc, je referai avec des lentilles corail. Ou sinon... sans rien, mais avec de la viande, des escalopes de poulet ou des escalopes de dinde, hein, peu importe, c'est super bon. Et vous mettez du lait de coco, du concassé de tomate, franchement, c'est super bon. Mais et le massalé, moi je savais pas que ça piquait, mais c'est quand j'ai vu les ingrédients, il y avait du piment fort, je dis ouais, voilà. Donc la prochaine fois, je mettrai une cuillère, mais avec parcimonie. Parce que mon mari, il n'aime pas quand ça pique. Donc, et même hier soir, j'ai dit à mon mari, oh, je ne vais pas manger le truc, parce qu'il en reste. Hein. Mais j'ai dit, non, pas ce soir, je ne vais pas manger. Il m'a dit, mais mon mari, moi aussi, c'est pareil. Donc, mais bon, faut le finir, donc on va le finir. Mais je veux dire, hier soir, on a fait une pause, hein, parce que là, c'était trop, puis j'avais mal au ventre. Mon mari, c'est pareil. Donc, voilà. Mais sinon, c'était mangeable. Ben, la prochaine fois, il faudra que je rectifie l'assaisonnement pour que ça pique moins pour mon mari. Et mon fils, bien sûr. Mais la prochaine fois, je vais essayer mes versions avec des lentilles corail, comme j'en ai une boîte. Donc, ça sera parfait. Donc, voilà. Et bien, sur ce, j'espère que... Puis, j'en ai eu pour... combien on a eu pour moins de 70 €? Ça, c'est sûr. Donc, c'est déjà pas mal. Mais il me fallait ça pour la semaine. Au départ, elle avait fait une liste avec 3 trucs. Hein. Je vous signale, on a ramené 2 sacs. Oui, j'ai pris les céréales en plus. Voilà, et puis tout le reste, le vin. Le butternut. Les carottes. Les steaks hachés de jambon. Non, les carottes en plus. Mais... Non, les carottes, je les avais marquées sur ma liste, Déo. Ah bon. Le Volvic. Ah oui, puis on a pris du coca aussi et du lait. Et pour moi, des petits nounours en chocolat, en guimauve, là. Tu n'as pas le droit. Mais si, j'ai droit à ça, de temps en temps. Oui, si, oui, de temps en temps, hein. Voilà, moi, voilà, quand je demande un truc, j'ai pas le droit. Par contre, il aura ce petit plaisir, mais voilà. À Noël. Ouais, l'autre fois, quand on a été à Normal, j'y avais pris, et ça, il peut le dire, hein, j'y avais pris. Non, c'est pas vrai. Si, je t'avais pris une poche de Milky Way. Il était tout content. Non. Mais par contre, il en a mangé un tous les jours, et pas plus. C'est pas vrai. Donc déjà, ça va. Non, mais de toute façon, il n'a plus envie de repasser par là où il est passé. Hein. Ça lui a assez trop servi de leçon. Il a souffert pour... voilà.
Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Allez, bisous, bye.